Salut les petits potes, c'est François, bienvenue sur la chaîne Au Bout du Fil. J'espère vraiment que vous êtes en énorme forme. Aujourd'hui, ce serait vous mentir que de vous dire que c'est le jour de l'ouverture. J'ai fait l'ouverture, c'était une catastrophe. Sur ce même spot, un vent de malade mental, impossible de pêcher correctement. Le bateau il partait dans tous les sens, il faisait 28 degrés sur l'eau, vous allez voir. Normalement j'ai pris un petit coup de soleil qui va bien ce jour-là, enfin, c'était une horreur. Impossible de faire du poisson, on était plusieurs bateaux, quasiment personne n'a fait de brochet, c'était infernal. Donc du coup j'ai décidé d'attendre que les températures baissent, que la luminosité baisse, et aujourd'hui c'est le temps pour moi idéal pour faire du poisson. J'espère qu'on va faire les premiers brochets, qu'on va débloquer ce compteur 2021. Ça va être compliqué, j'y crois, mais bon, j'ai un petit peu peur quand même. J'espère que ça va le faire, les potons se retrouvent très rapidement pour les premiers poissons. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, c'est parti. Bon bah allez, c'est parti. Bon, j'ai entendu dire, je suis allé une fois ici, un mec avait réussi sa pêche, j'ai fait des vagues, au buster. Donc on va essayer. Voilà tout l'intérêt du moteur les gars. Vous voyez là par exemple, je suis trop près du spot, donc je vais utiliser la télécommande. Tu vois, je vais faire tourner le moteur, tranquille, et puis après je vais me servir de cet élan, bah, entre temps pour pêcher quoi. Essayer de perdre le moins de temps possible. Et ça c'est vraiment tout l'intérêt d'un moteur avant quoi. Et si tu l'as pas, tu fais comment là? Tu peux pas te tourner, t'es obligé de faire quoi avec des rames? C'est la merde. Poisson, ouais, brochet. Oh, c'est lourd. C'est pas un monstre, mais il est beau. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, je l'ai vu sortir de. Ah, petit brochet, mais brochet quand même, hein. Yes, viens là, bébé. Et voilà, brochet au buster. Wouhou. Et ouais, on m'a conseillé le buster là dernièrement. Et voilà, brochet. Ah, ça y est, décapotage, premier fish, ça fait plaisir les potes. Allez, je vous montre ça de suite. Yes. J'espère qu'on le verra à la caméra là quand il arrive dessous, c'est trop top. Bon, bah les petits potes. Voilà, un petit pike. C'est pas un monstre, mais il va bien. Il est joli, il fait combien? 2, 4, 5, un petit 50 quoi. Allez, on va le release proprement. Il s'est bien piqué comme un salopard. Franchement, ça fait très très plaisir. Premier brochet. Je vous afficherai la photo, vous savez, comme j'aime bien faire. Allez, bébé. Allez, bébé. Un petit peu de réoxygénation, là, tranquille. Épouse bambinose. Non, 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 j'ai raté un pike. Attends. Ouais, j'en ai raté un. Oh là 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 là. Ouais, j'ai raté un pike. Ah, il m'a flag, putain, il m'a flag. Ah la vache, je suis deg. Et ouais, mais le bateau, il s'est trop avancé, quoi.
Bon les petits potes, vous l'avez vu, la vidéo va être un petit peu spéciale aujourd'hui. Ça mord pas, je vais pas tarder à rentrer. Donc là j'anime, je vais pêcher en même temps, mais on va discuter un peu en même temps. Je vais vous parler un petit peu, déjà vous demander comment s'est passée votre ouverture, voilà, tout simplement. J'aimerais bien voir dans les commentaires un petit peu, expliquez-moi, dites-moi. Voilà, si vous avez fait capot, vous avez fait capot, et moi je vais vous montrer, hein. C'est pas fameux non plus. Si vous avez fait beaucoup de poissons, tant mieux, dites-le moi aussi, je suis content pour vous, ça fait super plaisir. Voilà, m'expliquer un petit peu, parce que c'est vrai que, voilà, moi je vous explique un petit peu ma situation. Là on est sur une rivière très très connue pour le brochet, et c'est vrai que c'est mort. Là j'étais avec un mec que je connaissais pas, et on a fait un peu connaissance, ça fait super plaisir, avec un guide de pêche, et il a rien fait je crois, hein, sinon il serait venu me le dire, il vient de partir là. Et bon, lui il m'a dit que c'était extrêmement compliqué, qu'il n'avait jamais vu la rivière comme ça, hein. C'était très très calme. Après on a essayé de réfléchir un petit peu ensemble, et c'est vrai que bon, je pense que voilà, on sait un petit peu pourquoi c'est un peu mort. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'en rivière, les eaux sont plus froides qu'en lac, toujours. Donc forcément, tu as des poissons qui peuvent en début de saison. Waouh, ça c'est un beau lancer, ça. Regardez, hop là. Qui peuvent en début de saison être un petit peu plus inactifs. Il y a aussi le fait que forcément, en fait, cette année, on a eu une météo un peu trop clémente tôt. En fait, en mars, à un moment, là, je sais plus, je crois que c'était mars, ouais, qu'il faisait super beau. Et du coup, les brochets ont commencé la fraie assez tôt. Et je le sais parce que moi, en mars, je voulais aller faire du black bass dans un lac privé. Et il y avait des brochets en frais. Donc, voir qu'il y avait fini. C'est-à-dire qu'il y avait les femelles qui étaient posées sur le bord de l'eau. Hein. Elles étaient là, elles allaient pondre et c'était fini, quoi. Et donc, je me dis, est-ce que c'est pas ça? Et on s'est dit, on est d'accord sur ce sujet. Est-ce que c'est pas le fait que tout simplement, on a des poissons qui ont déjà bien bouffé, en fait, qui ont déjà bien bouffé et qui forcément, ils n'ont pas nécessairement besoin de se jeter sur les leurs comme ils auraient pu le faire. Après, comme on a dit, la pêche, c'est pas une science exacte. C'est-à-dire que tu vas y aller aujourd'hui, tu peux y aller demain, tu vas faire carton. Après, moi, honnêtement, en ce moment, j'ai le temps. Donc, j'y suis allé beaucoup de fois depuis l'ouverture. Pas tous les jours, mais presque. Et ça a été très, très difficile. Voilà, capot sur capot, enfin, un truc, ça m'était jamais arrivé. Pour vous dire à quel point ça m'est jamais arrivé de faire autant de capots sur ce spot, et même sur des spots comme ça, ça ne m'est jamais arrivé. Et lui aussi, hein, d'ailleurs. Et bon, voilà, on a un petit peu discuté de ça, et je sais pas, vous, de votre côté, comment ça s'est passé. Du coup, hein, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me le dire. Et je voulais votre avis un peu sur une question. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comment vous le vivez, vous, quand vous pêchez pas? Franchement, c'est une question, ça peut paraître débile, tu vois. Mais est-ce que vous le vivez bien? Est-ce que vous le vivez très mal? Est-ce que, comme moi et comme tout le monde, ça dépend? C'est-à-dire que là, bon, ça va. C'est-à-dire que si c'est 2-3 sessions capot, bon, c'est un peu chiant, mais ça va. Dites-moi comment vous le vivez. Mais c'est vrai que, tu vois, je parle beaucoup avec des gens sur Insta, ils se reconnaîtront, et c'est vrai que j'en vois, putain, les pauvres... Je vois des jeunes pêcheurs, les pauvres, ils enchaînent les capots. Et ils n'ont pas forcément un matos hyper ouf, donc ils vont beaucoup à Decathlon, ils achètent des rogeants, je crois qu'ils s'appellent. Voilà, des lurches chez Decat, et moi j'en ai plein, donc je dis pas que c'est de la merde, mais voilà, ils font ce qu'ils peuvent avec leur petit budget, et les mecs, ils font capot, quoi. Et je le sens, parce que dès que dans le coin ici, c'est partout pareil, que tu as un bon spot à brocher, que ce soit moi en vidéo, je parie que c'est les autres, c'est pareil. Mais tu reçois plein de messages, quoi. Tu reçois plein de messages. Ouais, c'est où que tu pêches, comment t'as fait et tout. Et ça prouve bien que je pense que quand même, malgré toutes ces vidéos que vous pouvez voir sur YouTube de mecs qui vont cartonner au brochet, il y a quand même une immense majorité de pêcheurs qui galèrent à faire du brochet. Et quand t'as fait un brochet, t'es content, quoi. Et je sais pas, si c'est parce que c'est notre pays qui est comme ça. Je pense que ça l'est un peu quand même. Parce que tu vas en Suède ou en Belgique, c'est abusé. Mais quand même, je trouve que c'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Après, ce spot là, actuellement, il est mort. Il est en mode off. Je te cache pas qu'en général, ici, c'est broché lent. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. Ici, quand tu tombes sur des bonnes journées, le maîtré, je l'ai fait ici. T'inquiète pas, il y a énormément de pike. Mais c'est vrai que là, c'est dur, quoi. Et je voulais savoir, vous, comment vous le vivez? Est-ce que, voilà.
Est-ce que vous, ben, vous enchaînez les capots? Est-ce que pour vous, le brochet, c'est vraiment un truc hyper difficile? Ou au contraire, ben, là où vous pêchez, vous en faites plein et ça enchaîne bien et vous êtes content? Et ça, c'est vraiment un truc que je veux savoir. C'est un truc que je veux savoir parce que, ben voilà, moi j'ai envie d'avoir l'avis un peu de doser, un peu de prendre la température, ben, de cette ouverture. Parce que c'est bien beau sur YouTube, ouais, on vous fait des vidéos, oh j'ai sorti 1m10, ah ça fait 50 000 vues. Hein. Mais au final, ben, on ne demande jamais l'avis des gens qui regardent, on leur pose pas tant de questions, on s'en branle limite. Hein. Il y a certains YouTubeurs, je le dis, hein, ils ont rien à foutre. Hein. Et je parle pas de pêche. Hein. Je parle de gaming, des trucs comme ça. Ils postent des gameplays, ils ont 300, 400 commentaires. Ils mettent pas un like. Hein. Les mecs s'en battent les steaks, tu vois. Et moi, je veux pas que ça devienne comme ça sur ma chaîne. Après, un jour, ça le deviendra peut-être s'il y a beaucoup de monde. Mais tant qu'on en est là, on va en profiter pour répondre à Max. Mais voilà, je vais vous poser la question. Vous, comment vous l'avez ressenti? Comment vous avez vécu votre ouverture? Moi, comme je vous le dis, ça a été très, très dur. Très, très dur. J'étais pas le seul à avoir du mal. Je vous cache pas que... Bah, j'y suis allé 3 fois à la pêche sur le même spot. Et la deuxième fois j'ai cru péter un boulon, tu vois. Franchement, ouais, j'en avais marre. Hein. Le premier jour, bah, c'est l'ouverture. C'est, tu te dis bon, c'est pas grave. Deuxième fois, tu te dis bon, on fait chier quoi. Ça fait chier. Bon là ça va. Aujourd'hui, bon, vous allez voir, il y a un brochet qui est quand même sympa, qui fait vraiment plaisir. Donc c'est cool. Mais c'est vrai que bon, c'est la frustration quoi. La frustration, elle est énorme. Elle est énorme. La frustration, parce que c'est ça en fait qui fait mal. Alors après, j'ai réfléchi en même temps que je vous parle et je me dis, en fait, la frustration, c'est aussi le plaisir. Je vous explique ça de suite. C'est que quand tu es frustré, ben, si tu, par exemple, si pendant 4-5 sessions, tu sors pas de brochet, par exemple, là, je sors pas de brochet, et que d'un coup, boum, tu tapes un bon brochet, un bon 70-80, bon, on va pas se mentir, les 3 sessions d'avant, tu les oublies. Si tu es sur YouTube, tu fais ta vidéo, tu dis, ouais, énorme brochet, session de malade. Si tu es sur Instagram, bah, tu vas mettre ta photo et tout le monde va dire « Ouais, quel bon pêcheur !» Alors que s'il faut, ça fait 5-6 fois que tu vas sur le spot et que tu tapes un capot de l'espace, tu vois. Et je dis pas que c'est parce que tu es mauvais pêcheur, c'est parce que c'est dur. Donc en même temps, la frustration, le plaisir, c'est un peu lié. C'est normal. Mais bon, est-ce que... Je sais pas. Après, il faut savoir que la pêche, quand même, c'est vrai que nous les pêcheurs rollers, bah, on investit du pognon, quand même. Pas se mentir, on achète des leurres, on achète des câbles, on achète des fils, on achète... Moi, j'ai un bateau, je vais pas me la péter, mais je suis assis sur plusieurs milliers d'euros, quoi, quand même. Des choses que j'ai investies, quoi. Des choses, j'ai passé du temps à me les acheter. Et c'est vrai que, ben, derrière, si tu pêches rien, bon, ben, ça fait chier, quoi. Ça fait chier, surtout que moi, ben, je vous avais fait une vidéo pour que vous puissiez réussir votre ouverture, pour que moi, je puisse la réussir aussi. Au final, je la réussis pas. Alors, bon, je perds un peu en crédibilité, même si, ben, je sais faire du brochet. Je sais très bien que ce que j'ai dit est correct, hein, y a pas de souci. Et que voilà, mais voilà, est-ce que, parce que il y a un truc qu'on dit souvent, et moi je le dis souvent, j'essaie de me le dire et je le dis même, le but du jeu à la pêche, c'est aussi le fait, voilà, tu sors, tu prends des poissons, tu prends du plaisir, toi tu fais nager tes leurres et tout. Mais il y a quand même un moment, on dit bien, on va à la pêche, quoi. Tu vois, je vais pas me balader. Si je voulais me balader au bord de l'eau, je serais allé me balader, hein. J'aurais kiffé, hein. Ah, j'aurais dit, hein, j'ai fait une belle balade. Là, je vais pour pêcher, pour sortir du poisson, tu vois, pour prendre des frappes et pour me faire déboîter. À la base, c'est pour ça que je vais à la pêche aussi. Et c'est pour ça que dire, ouais, la pêche, ouais, mais bon, ouais, c'est cool, t'en profites au bord de l'eau. Oui, dans un sens, c'est véritable, c'est vrai. Je veux dire, on est là aussi pour kiffer et être au bord de l'eau. Mais bon, si derrière, c'est pour rien pêcher, c'est un peu dur, tu vois. Et encore, moi, je me plains pas. Voilà, j'ai fait un brochet. Je veux dire, je suis pas capot. Voilà, j'ai un poisson, j'ai pas réussi mon ouverture. Parce que pour moi, réussir une ouverture, c'est faire 2-3 brochets, peut-être une perche ou deux, tu vois, ou un bass ou deux, j'en sais rien. Enfin, bon, ici, on n'a pas des basses. Enfin, s'il y en a, mais ils sont infaisables, sauf en été. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. C'est compliqué finalement. Et je voulais vraiment votre ressenti là-dessus. Est-ce que vous, voilà, bah, vous avez réussi votre ouverture, tout va bien pour vous, c'est fun. Est-ce que pour vous, le brochet, c'est une putain de misère? C'est-à-dire que vous en faites. Je dis pas que personne en fait. Moi, j'en fais. Mais bon, t'en fais 3-4, là, comme ça. Et puis voilà. Je me souviens d'une vidéo un jour, et je peux en parler, parce que de toute façon, leur chaîne, elle est morte. De Finning Fishing. Et le mec, il dit, ouais, il fait une vidéo, il fait 3 brochets ou 4 brochets dans l'après-midi, tu vois. Enfin, dans la journée. Et il dit dans la vidéo, ouais, bof, journée pas terrible. Et je m'en souviens, le mec dans les commentaires, il y avait un taquet de gens qui avaient répondu, ouais, mais t'es ouf. Et moi, je me rappelle, j'avais mis un commentaire à l'époque, et je faisais pas encore de vidéo.
Et j'avais mis, frère, moi déjà, je fais un ou deux brochets dans la journée, je suis refait, tu sais, ma journée, elle est top. Et c'est là que tu vois qu'en fait, bah, tous les pêcheurs ne vivent pas du tout la même chose, quoi. Autant, moi, je vois des mecs sur Insta, ils galèrent même à faire de la truite, les pauvres, et j'essaie de les aider. Et autant, de l'autre côté, il y a des mecs, tu vois, sur YouTube, peu importe où d'ailleurs, qui cartonnent, quoi. Et c'est ça, tout le truc de la pêche, c'est assez spécial, je sais pas. Moi, je voulais vous parler de ça, tu vois, tranquille, hein. Question, bah, déjà, de remplir un peu la vidéo, et puis, bah, un peu discuter. J'aurais aimé faire en live, ça. Parler avec vous en live, mais moi, ma communauté, elle est trop petite, quoi. Si c'est pour avoir 10 gars en live, c'est pas intéressant. Et c'est normal, hein. Tout le monde n'est pas connecté au même moment. Enfin, vous m'avez compris, quoi, hein. Mais voilà, je voulais vraiment, vraiment vous parler de ça, quoi. Vous demander votre ressenti, tout simplement. Dites-moi dans les commentaires, si vous avez réussi votre ouverture, combien de brochets vous avez fait, si vous avez fait des perches, même si vous avez fait du bass ou du sandre, hein, tant pis, hein, ça arrive. Après, je suis pas forcément pour, hein, j'en vois beaucoup là en ce moment, ouais, énorme sandre, je suis trop fan. Bon, ils sont sur les nids, frérot, voilà. Mais bon, après tout, tu choisis pas ce qui mord, hein. T'es pas derrière ton leurre en train de dire, ouais, non, mord pas, frère. Enfin, tu m'as compris. Mais voilà, je voulais votre ressenti par rapport à l'ouverture, si vous avez réussi votre ouverture, si vous avez fait capot, comment vous arrivez à pêcher le brochet, et voilà, comment vous gérez un petit peu bah, le fait que des fois ça ne ment pas, quoi. Et moi je sais que des fois c'est pas facile, surtout quand tu as beaucoup de matos. Quand tu es des jeunes pêcheurs, tu as une canne et trois leurres, bon, bah, ça te fait chier quand même, je dis pas, ça te fait chier parce que bah, tu t'es déplacé, mais bon, je veux dire ça passe. Mais quand tu commences à connaître les poissons et à bien pêcher certaines fois, ben après, quand après plusieurs sessions où tu as bien pêché, ben t'enchaînes des sessions où tu pêches que dalle, ben c'est dur. C'est dur parce qu'en fait, on s'habitue, c'est triste à dire, mais on s'habitue à la pêche. Après, je pense que je l'ai déjà dit, c'est cette frustration qui va amener au plaisir. C'est-à-dire que le prochain brochet que je vais faire, si en plus j'en fais un beau, ben je vais être trop content, quoi. Je vais me dire, putain, ça y est, quoi. Eh merde, je me suis accroché. Je vais dire ça, ah, je crois que je vais ramener la branche. Je me suis dit, ça y est, je vais me dire, ça y est, j'ai fait un beau pike, je suis trop fan, quoi. Parce que, et ça va masquer toutes les fois où je me suis chié. Ben, ça, pour piquer les branches, t'y arrives, toi, hein, salopard. Mais voilà, je voulais vraiment vous expliquer ça, vous parler de ça. J'espère que ça va vous plaire et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et puis évidemment à vous abonner si vous kiffez. Et puis si vous n'avez pas kiffé le fait que voilà, je parle comme ça et tout, bah écoutez, j'estime qu'il y a plein de youtubeurs qui parlent sur de la merde, on en a rien à foutre. Et pourtant, ils font des millions de vues. Donc je pense avoir le droit de pouvoir faire un petit peu pareil. Surtout que c'est un sujet un petit peu psychologico, fishingo, poissonneux. Bref, les copains, salut!